Donc salut tout le monde, c'est Julien. On se retrouve après une très longue période d'absence. Encore une fois, je suis vraiment désolé. J'ai enfin trouvé un tuto à vous faire. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre, enfin, vous montrer comment un peu mieux réussir ses sauts en parachute parce que je peux pas dire que ça va réussir à tous les coups. Voilà. Donc là, je vais lancer le saut en parachute. En fait, c'est une méthode totalement bête. Il suffisait juste d'y penser. Et c'est, vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, je me suis mis un jour pour que vous voyez bien. Donc, l'AverMedia fonctionne. Donc, c'est nickel. Je vais pouvoir vous faire des vidéos sur GTA. Donc là, on se lance. Et tout d'abord, le premier, je pense qu'on l'a comme ça. Et ben non. Tant pis. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez ici, vous arrivez. Hop. Ceux-là, vous pouvez les passer tranquille. Mais pour ceux qui sont là, ce que vous faites, c'est vous faites L1 et R1, comme ça. Ça va vous freiner votre descente, et comme ça, vous aurez plus de temps pour viser. Autrement, quand vous avez comme ça tourne direct. Vous faites L1 et R1, vous avez plus de temps pour tourner. Et en plus, ça vous ralentit. Du coup, c'est une petite technique que j'ai trouvée vachement sympa et utile. Donc, j'ai recommandé à mes potes, et je peux vous dire, depuis, ils me battent presque au saut en parachute. C'était mon petit secret. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hop, j'ai réussi à avoir 15 points. Donc vous voyez, L1 plus R1. Je pense que plusieurs personnes connaissent déjà cette petite astuce. Alors là, ça va surtout nous être utile car vous voyez le gros virage. Alors, hop. Voilà. Où t'en es? Etc. Encore le chien qui a ouvert la porte. Ne vous inquiétez pas. C'est pas trop. Voilà, il est reparti. La porte qui est grande ouverte, mais c'est pas grave. Voilà. C'était tout pour ce petit tuto. Donc, je tiens vraiment à m'excuser pour cette absence qui peut paraître interminable. Et je vous remercie car on est presque à 100 abonnés. Donc, je suis en train de préparer la vidéo spéciale 100 abonnés. Et n'hésitez pas à faire tourner la chaîne, mettre des likes ou autre. Et donc là, je viens de me craquer. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto qui, je l'espère, ne sera pas dans trop longtemps. Bye bye tout le monde, je vous laisse sur ces images.